ton anniversaire aujourd'hui. T'as 1 an, t'es toute grande et t'es toute belle aussi. Aujourd'hui, nous sommes le jour d'anniversaire de Mila, notre petite dernière. Elle fête ses 1 an et on décide de faire une grande fête. Ça va chérie, tu t'en sors avec tous les verres et tout? Ouais, ça va, bon, j'ai fini. Bon, allez, c'est là le cadeau hein, qu'on avait dit. Hein. Ouais, c'est là, on avait dit. N'empêche, les enfants, ils sont gérés quand même avec les pancartes. Moi, j'adore celle-là. Le mot, il est trop beau. On adore la déco qu'on a faite. Et c'est aussi grâce aux enfants parce que toutes les petites pancartes avec écrit Happy Birthday, 1 an, Mila et tout. Et ben en fait c'est eux qui les ont fait, ils ont voulu faire ça et il y a une pancarte avec un mot qui m'a beaucoup touchée. Ça se voit que ils aiment leur petite sœur et qu'ils ont fait tout ça pour elle. Bah dis donc, elle va être gâtée cette petite. D'abord elle est où? Elle est avec ses frères et sœurs. Moi je vais aller les voir. Oh c'est mignon. Mais vous avez vraiment fait bien la déco hein. Tata! Ça va les loulous? Oui, tu nous as manqué, Tata. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Bah oui, je sais, les enfants, vous savez, j'habite loin. Hein. T'as vu, on a la même jupe. T'es accordé à Tata. Alors nous, on s'est pas fixé de budget parce que le principal, c'est de faire plaisir à tout le monde, aux enfants, à Mila et à toute la famille. Voilà. Bon, le son, il est bien mis. Bah c'est bon. Oh bah merci, parce que moi, tous les trucs comme ça, là, on n'aurait pas eu... Les enceintes, la table et tout, je sais pas comment on aurait fait, hein, parce que bon, sans enceinte, c'est pas cool. Hein. Bah t'inquiète. Hein. Santé! À la vôtre, ouais, wouhou, ma chérie! Zoé, tu peux l'amener. Alors maintenant, on va accueillir par la star de cette fête, Mila! Joyeux anniversaire! Qu'est-ce qui c'est ma chérie? Il y en a partout! Oh le bordel! C'est le premier anniversaire de Mila et ça nous fait plaisir de la voir sourire, de revoir tous nos amis, quoi. Ça fait longtemps aussi qu'on les a pas vus. Je sais que la sœur de Louis, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vue et du coup tout le monde est content et c'est ça qui nous fait plaisir quoi. Ma chérie, qu'est-ce que c'est tout ça? Coucou tout le monde! Bon bah vu qu'on a déjà bu un peu l'apéro et tout, si vous voulez encore manger, bah mangez, puis après ça va être le gâteau. Ouais! Alors sa première année s'est passée hyper vite, on l'a pas vu grandir. En tout cas, pour moi, je ne l'ai pas vue assez grandir. Ça fait bizarre de te dire qu'elle a déjà 1 an, que l'année prochaine, elle aura 2 ans, et qu'après, ça grandit trop vite, quoi. Ça nous fait bizarre, parce qu'on se dit qu'il y a 1 an, on avait vécu, l'accouchement de Mila, et ça s'était pas bien passé. Donc, quand elle est née, elle avait des difficultés respiratoires. Et c'est vrai que on est content en fait d'en arriver là parce que je sais que si on n'aurait pas eu toute cette équipe médicale autour de nous ce jour-là, on n'aurait pas pu faire cette fête-là. Coupez s'il vous plaît. Mais du coup, ouais, ça va l'école, ou pas? Bah ouais, ça va super l'école, hein! C'est pourquoi Marie? Alors maintenant, tout va mieux pour Mila. Elle a des fois des rendez-vous médicaux pour voir... ses poumons fonctionnent bien, mais tout va bien pour elle. Elle est épanouie, elle grandit très bien. Oh, the misery. Everybody wants to be-
Bon bah j'espère qu'on va trouver ce qu'on veut. Alors là c'est la mission magasin de meubles. Alors il faut d'abord trouver des lits pour les enfants, des matelas pour les enfants. Et déjà à l'entrée du magasin je vois des trucs magnifiques, mais les prix eux aussi sont... Ah, voilà. Moi je partirais sur des trucs comme ça par exemple. Oui, c'est sobre, c'est blanc quoi. Et ça? Ça, flash. Ouais, mais au moins ça prend moins de place. Oh non, j'aime pas du tout, ça va pas du tout, ça va tout gâcher, la déco. Eh ben, il va neiger, toi qui t'intéresses à la déco, bah dis donc. Du coup, ce lit-là, il est à 90€, mais il n'y a pas le prix du matelas. C'est le même que celui-là, je pense. Bah non, regarde, c'est pas la même couleur. Bah je sais pas, faut qu'on trouve une caissière. On y reviendra après. Ok. Alors là, faut qu'on trouve un lit de place, pas cher et qui passe. 240€ ça, bah dis donc. Mais moi j'aime bien. Ok. Mais tu plaisantes. Il est hyper confortable. Oui bah ça c'est le matelas, hein. Ça c'est le prix du lit, c'est pas le prix du matelas tu vois. Oui t'inquiète j'ai compris. On peut très bien trouver un lit beaucoup plus beau et mettre ce matelas. Ouais. Celui-là il est magnifique. Ouais le prix aussi il est magnifique. Si on part comme ça on va finir ruiné hein. Celui-là il est trop beau mais chérie regarde pas le prix tu vas faire un malaise. Ah il est pas du tout confortable. Oui mais ça on s'en fout, ça c'est le matelas. On peut très bien mettre un autre matelas. Il faut qu'on se mette d'accord. Parce qu'on a quand même un budget à respecter. Et en même temps, il faut aménager mais complètement cette maison. Complètement. Bah du coup pour moi je pense le meilleur à acheter c'est celui-là. Bah du coup je pense aussi ouais. En plus il est hyper confortable quoi. Les autres je les ai trouvés pas du tout bien pour moi. Ouais c'est vrai moi non plus j'ai pas trop aimé. Bah on va acheter celui-là hein. Moi je le trouve moche mais bon. Après ça peut juste être en attendant hein. Mais là il y a rien d'autre de toute façon. Après nous on le sait, les enfants le savent, ce n'est que notre maison secondaire et on va pas faire une superbe déco comme ici quoi. Les chaises. J'adore la C10, la C2 et la C5 qui sont trop beaux. C'est vrai qu'elles sont canon. Faut regarder le guide des prix. C10, 37,95€. C2, 29,99€. Oh, elles sont pas chères. Ah, mais elles sont grandes aussi. Faut une grande table. Ils s'en foutent pas ici. C'est un peu con. Ils ont des trucs qu'on peut même pas faire avec des trucs qu'ils ne vendent pas. Et après, c'était la C5. Ah, bah, c'est comme la. Non, attends. Ah, je me suis. C'est comme la. Ah, oui, C2, C5, c'est le même prix. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Vous êtes prêts pour la liste. Hein. On a acheté une table, des chaises, des lits pour les enfants, un clic-clac. Il n'y a pas beaucoup de choix. Là, il est cher. Oh là là. Par rapport à celui-là, waouh. Moi, je serais plus d'avis à prendre le orange et le bleu que le rouge. Hein. Ouais, en plus, genre, le rouge, il a l'air moins confortable. Attends, je vais tester. La vache, il est plat. Oh là là. Ah, celui-là, il est bien rembourré. Il est confortable, tu vois. Comme quoi, c'est pas parce que c'est cher que c'est mieux. Hein. Ah ouais, lui, il est hyper confortable. Je pourrais m'endormir. Je peux te rejoindre. Hein. Voilà, on a dévalisé le magasin. Bon, du coup, là, chérie, on va peut-être s'attaquer à mettre tout ce qui est genre couvert, genre assiette, fourchette.
Ok, bah c'est parti. Alors, aujourd'hui, c'est un jour qu'on attend depuis je sais pas combien de temps, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est un projet. On décore et on aménage un peu notre nouvelle cuisine. On est là. Super. Du coup, vous allez m'aider à aménager cette belle cuisine. Ah ouais. Et j'ai vu aussi, maman, t'as rajouté des cadres. Ouais. Ils sont trop beaux. Du coup, nous avons fait faire une nouvelle cuisine parce que c'est vrai que notre ancienne cuisine ne nous plaisait pas du tout. C'était pas du tout moderne, c'était pas du tout beau, on aimait pas du tout. On trouvait ça très très vide et du coup, on a décidé de changer de cuisine. Bon, déjà, il y a tout ça à placer, c'est déjà le plus gros. En vrai, ça me donne plus trop envie de faire. Ah si, moi j'adore aménager. Je suis avec les enfants, voilà, on range toutes les petites choses qui manquaient. Allez, c'est parti. Bon bah du coup, ça c'est fait. Bah voilà, on a fait du bon boulot. Donc voilà, on est déjà très fiers de nous, on a réussi à tout aménager. Moi c'est quand même la cuisine de mes rêves, parce que... je voulais vraiment une très grande cuisine. Du coup, ici, c'est tout l'espace salle à manger. Donc, en gros, la table et les chaises, tout simplement. Ici, on a l'espace évier, robinet, la vaisselle. Ensuite, là, on a notre très grand frigo à l'américaine. Donc, ça, c'est vraiment un frigo que je voulais trop. Donc, du coup, là, après... on a un très gros rangement juste ici où on met vraiment tous les, encore une fois, les plats à gratin, les casseroles, les poêles. Le genre de truc qui nous prenait beaucoup de place dans l'ancienne cuisine. Et en plus, justement, avec l'arrivée d'Issam et du coup, ce qui fait qu'on a un quatrième enfant, il faut vraiment beaucoup plus de rangement. Donc ça, c'est vraiment une cuisine que je voulais avec beaucoup de rangement. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et du coup, bah voilà, je suis très contente de cette cuisine. On est très contente de cette cuisine. Même les enfants, ça leur plaît beaucoup. Donc voilà, on est hyper heureux. Enfin voilà, très fière de notre cuisine. Elle t'a envoyé un message ou pas? Ouais, c'est dingue. Elle a dit « je suis là ». Oh là là, j'ai trop hâte. Ah, mais aussi. Hein. Alors aujourd'hui, on arrive à Bordeaux pour voir une petite surprise pour les enfants. Donc nous, on est au courant. C'est quoi, maman? Et on est arrivé, les enfants. Qu'est-ce que vous pensez quand vous êtes à Bordeaux? Bah, quand on est arrivé dans Bordeaux, on savait qu'on était à Bordeaux, mais les petits ils savaient pas. Mais par contre, on savait pas ce qu'on allait faire. Alors les enfants, on est où là? On est à Paris avec la tour de Pise. Moi je sais où on est. On est à Paris avec la tour de Pise. On s'énerve pas. Et non, Paris c'est la tour Eiffel. Et l'Italie c'est la tour de Pise, d'accord? On est où alors là les graines? Bordeaux. Alors c'est bien, donc du coup les enfants là va falloir vous concentrer. On est à Bordeaux pour voir quelqu'un. Donc on essaye de faire deviner aux enfants la personne qu'ils vont voir tout simplement. Donc on leur donne des signes, enfin on... Comment dire? On leur donne des indices en fait. Hein? Qui ça? Qui ça? Quelqu'un que vous connaissez très très bien, mais qui, comme papé et mamé, vous n'avez pas vu depuis un certain temps. C'est un peu une énigme. Et tout simplement, cette personne, c'est ma fille, donc Margot. Elle était étudiante à Bordeaux et
voilà, va faire son travail à Bordeaux tout simplement. Elle habite à Bordeaux, donc bah, il fallait qu'on aille à Bordeaux. Mais creusez-vous un peu les méninges, elle fait ses études ici. Elle ! Oh non, arrête ! C'est Margot ? Et oui ! Ouais ! Ça fait un an à peu près qu'on l'a pas vue. Et personnellement, je suis trop content parce que, ben, forcément, elle est trop gentille, elle est vraiment dans mon cœur. Je l'aime beaucoup. On va voir Margot, papa ? Bouh ! Ah ! Margot ! On s'y attendait pas du tout. Ouais, on est trop content de revoir Margot parce que, bah, elle nous a trop manqué. Tu m'as trop manqué. Moi aussi, tu m'as manqué, ça va ? Margot ! Je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et je vais devenir coach sportif dans une salle de sport à Bordeaux. Est-ce que t'es content de retrouver ta famille ? Alors je suis trop content de retrouver ma famille parce que je vais retrouver déjà tous mes frères et sœurs. Je suis très contente. Moi j'ai toujours eu la mentalité de me dire que bah, c'est tous mes frères et sœurs en fait. Je suis très contente d'aller revoir ma mère. Je suis très contente d'aller revoir Sébastien parce qu'il est hyper sympa. Oh ma fille. Ça va maman ? Oui ça va. Donc c'est vrai que bah, c'est un peu compliqué pour moi de pas voir ma fille. Ça fait un an que j'ai pas vu ma fille. Enfin, ne plus voir son enfant pendant un an, ça fait quand même... ça fait mal en fait, tout simplement. Oh non maman, on commence pas à pleurer, il faudrait que tu sois contente. Et je suis contente. Oh là là, ça faisait longtemps. Salut Seb. Salut. Ça va ou quoi depuis le temps ? Bah ça va et toi ? Ah bah ça va toujours, hein. Un peu fatigué par les petits marmots là. C'est fou, ouais. Donc déjà de 1, c'était une surprise pour les enfants. Mais moi j'ai une surprise que je cache et aux enfants et à ma mère et Sébastien. Et on va prendre le goûter tous ensemble, genre on se met par terre comme ça, wall again. Hein. Ouais, bah très bien, puis j'ai un petit truc à vous dire. Ah ouais, c'est quoi ? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Mila. Joyeux anniversaire Mila. Il est beau le gâteau ma chérie, tu vas le manger ? Aujourd'hui c'est un trop beau jour et un jour merveilleux qui est trop bien. Bon avant de manger le gâteau, on va déballer les cadeaux. Cette fête elle est trop cool, en plus on retrouve notre cousine qu'on n'a pas vu depuis hyper méga giga longtemps, elle nous a trop manqué. Et franchement l'ambiance elle est trop bien, il y a de la musique et tout. Mila elle est trop contente et ça nous fait trop plaisir. Allez, premier cadeau. Qu'est-ce que c'est ma chérie ? À qui ça coûte ? Wow, un crocodile. Wow. On dit qui ? Merci ma reine. Mila, on la trouve trop mignonne et en fait on sait pas trop si elle a bien aimé ou pas, mais du coup on la trouve hyper choupie et hyper contente. Oh, une petite étoile, c'est quoi Tata ? C'est une petite veilleuse. Oh, petite veilleuse pour dormir. Ensuite, ça c'est le cadeau des copains papa. On va déballer. Un petit kit de coloriage, t'as vu chérie ? Oh ouais, bah tu vas pouvoir faire des beaux dessins à maman et à papa. Allez, il y en a encore plein. Des ailes de fée pour accrocher dans le dos. Merci tata. Et
le gros cadeau, on y va. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, t'arrache. Waouh! Une figurine géante. Oh là 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 là. Où est-ce qu'on va mettre ça dans la chambre? On dit merci tout le monde. Merci pour vos cadeaux. Oh bah c'est normal. Allez, on va manger le gâteau. Bon, ben voilà un goûter droit là. Bon, alors, du coup, qu'est-ce que tu vas nous annoncer? Ça y est, t'as des nouvelles pour ta salle de scotching là, je sais pas quoi là. De scotching, mais vraiment, je vais ouvrir juste ma salle de sport. Mais pour ça, oui, bah, comme je t'ai dit, bah, du coup, enfin, tu sais, ça fait un an que je termine mes études. Bah, là, c'est un peu dans le caca pour l'instant. Je fais des stages en ce moment, mais salle, pas tout de suite, hein. Alors aujourd'hui, on arrive à Bordeaux pour voir Margot. Bah c'est quoi que tu veux nous dire alors du coup, si c'est pas ça? De toute façon, il va falloir que je vous le dise un jour. Mais moi, j'ai une surprise que je cache et aux enfants et à ma mère et Sébastien. C'est une surprise qui me tient beaucoup à cœur. Alors, je m'adresse surtout à toi, maman. Comme tu le sais, bah... Bon, même si c'est un peu galère au niveau boulot, ça va aller, tu vois. Je pense que t'as confiance en moi, enfin, j'espère. T'as été maman jeune. Je m'ai eu à 18 ans. Maintenant, c'est à moi d'être maman. Non. Du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu veux devenir grand-mère? C'est vraiment vrai? Mais non, je vais pas te faire un poisson d'avril, mais c'est vrai, maman. Je vais être tata! Ça fait à peu près deux mois et demi, trois mois que je suis au courant que je suis enceinte. Donc, j'ai eu la boule au ventre de le dire à ma mère, parce que je sais qu'elle me jugera jamais, hein, mais... C'est toujours un peu compliqué d'annoncer à ses parents qu'on est enceinte, surtout que bah je suis encore jeune en fait, donc j'arrive pas à croire que je vais devenir maman. Bah en fait, tu vas pas que être tata. Est-ce que tu veux devenir sa marraine? À mon âge? Mais oui! Donc c'est vrai que moi Margot, je l'ai eu très jeune, je l'ai eu à 18 ans. Et je pense qu'elle appréhendait de me dire qu'elle était enceinte parce qu'elle avait peur que je la juge, mais parce que je lui ai raconté l'histoire de ma mère, tout simplement. Bravo! Ma maman, quand elle a appris que j'étais enceinte de Margot à mes 18 ans, elle l'a très très mal pris et elle m'a tout simplement renvoyée de la maison. Ça a été une période très difficile dans ma vie. Je suis déçue en fait qu'elle l'ait mal pris parce que j'étais jeune, c'était son seul argument, mais j'avais des projets et bah, je m'en suis toujours sortie. Ça veut dire que ma mère en fait, elle a jamais connu sa petite fille, elle a jamais connu ses autres enfants, elle a coupé les ponts avec moi. Tu viens Nino faire une calingue? Tu vas être tonton, tu vas être un tonton à ton âge, oh là là. Aujourd'hui, je lui en veux énormément, mais j'aimerais bien la revoir, mais elle ne veut pas. T'aimes déjà le bébé. Mais je suis très heureuse d'être grand-mère, mais d'un côté, j'en reviens pas quoi. Je suis grand-mère à 43 ans, moi je m'attendais pas du tout. Et j'ai très hâte que ce petit bout de chou arrive. Il arrive quand le bébé? Il arrive demain? Oula, il va falloir attendre 7 mois encore. Ah, mais c'est trop long. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Margot? Margot, on t'aime de tout
tout notre cœur et on a hyper hâte que le petit bout de chou, la petite bout de chounette, elle arrive. Bout de chounette. Et que bah on la tienne, on le tienne dans nos bras et qu'on lui donne le biberon. Et bravo aussi. Bravo. Bravo. Félicitations, tu vas être la meilleure maman du monde. Oh là là, j'arrive pas à croire. Je vais être grand-mère à 43 ans. Snap.